Hello friends and welcome to this video. There is a little video that's circulating on Telegram and other social media networks or platforms that shows a Ukrainian soldier captured, a POW captured by the Russian soldier, who is testifying on camera about the bad training they received from the French military trainers, instructors. And the Minister of Defense of Russia is presenting this little video to show the inadequacy and the on professionalism of the french trainers and the french army a yeah, way to say that the french army is so weak but if you go into history you understand that this army is not that powerful what happened in the first and the second world wars what happened in, in the in the in china if you want to call it vietnam laos and cambodia what happened in algeria with the french army those are some historical events or historical facts that could make you conclude that the french army is not that powerful but i do i know about their training and all that no the russians are presenting the french trainers or the french army as weak and as incompetent les amis il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux telegram et j'en passe et c'est un soldat ukrainien qui a été capturé par les russes et devant une caméra il parle des manquements dans la formation que les Français les ont donnés. Il dit qu'on les a envoyés au front et après, quand il était au front, il s'est rendu compte qu'il n'était pas vraiment un militaire, qu'il n'était pas bien formé. Mais avant que cette vidéo ne circule les amis, il y a des gens, des, des blogueurs de guerre qui sont sur le terrain, les journalistes d'investigation qui ont fait le tour, qui disent qu'il y a certaines armes, que c'est une ou deux personnes qui peuvent manipuler au front. Donc ça rend un peu difficile. Imaginez que ces personnes-là sont éliminées. C'est compliqué de continuer à, à manipuler ces hommes-là. Donc, est-ce que ça n'a pas un sens ce que le soldat ukrainien capturé dit concernant la formation qu'ils reçoivent des instructeurs français Je n'en sais rien. Mais la France officielle et l'état-major français a dit que c'est faux et a faux. Ils ont formé près de 2000 soldats ukrainiens, 600 en Pologne et d'autres pour l'utilisation des armes qu'elle, la France, envoie en Ukraine. Donc, la France, elle a formé ces soldats-là à manier les armes envoyées par l'OTAN et la France en Ukraine. Et que la France doute de la véracité de cette vidéo, la France même doute que ce monsieur est un soldat mais est-ce que les Russes vont prendre quelqu'un pour commencer à raconter des choses comme ça? Parce que quand vous écoutez cette vidéo, ils racontent des choses claires. Ça dit que c'est certainement quelqu'un qui a été formé. Mais comme on est toujours dans le déni d'abord, avant d'accepter à la fin, ça continue comme ça. Et c'est du bad business. C'est de bonnes guerres, les amis. Les Russes commencent à dénigrer la formation que reçoivent les militaires en France. Ou la formation que donnent les, les instructeurs français. C'est de bonnes guerres et la, manie, la façon qu'ils manipulent les gens On a vu même un soldat russe qui a dit clairement que comme c'est les Occidentaux qui contrôlent les réseaux sociaux, ils ont passé leur temps à raconter des boubards, à mentir sur la capacité de leurs armes et autres, alors que la réalité sur le terrain est tout autre chose, et que les Russes ont des gens plus performants que ces gens-là. Il, il était en torse nu, il racontait ces histoires-là en russe et tout, il s'était sous en français. Mais, les amis... C'est clair. Un soldat ukrainien ou pas un soldat ukrainien, les faits sont là. Quand il y a la guerre, ou ce qu'on a appelé, les Russes appellent opération spéciale, on capture des païs là, des et là, les soldats. On peut capturer les soldats russes, on peut capturer les soldats ukrainiens. C'est de la guerre. Et on a vu un tri militaire ukrainien. Donc, ces monsieur, est-ce qu'il les suppressions pour dire ce qu'il dit si les suppressions, on peut comprendre. Maintenant, est-ce que tout ce qui dit, les détails qu'il donne là, sont des détails vrais Je pense que média français ne peut contester cela. TF1 fait un travail d'info intox pour essayer de, de, de laver l'image de l'armée française, les instructeurs français. C'est normal. C'est un média français qui est communicant communicante aujourd'hui l'Ukraine. La plupart des médias français du moins des grands, euh, sauf South Radio, euh, Radio Sud, fait un travail formidable d'information. Parce que là, quand les Russes tombent, il faut le dire. Quand on a abattu les drones, les hélicoptères russes, il faut le dire. C'est clair, les amis. Maintenant, quand on ne le dit pas, c'est quoi C'est qu'on est en train de faire quoi Mais on est en train de désinformer les gens. Donc, ce qu'on fait ici... <laughs> Désolé les amis, c'est un peu malade. C'est la réinformation, c'est la déconstruction des différents mensonges. Donc les amis, entre l'armée française et l'armée russe qui dit la vérité, est-ce que ces soldats ukrainiens capturés disent la vérité Je n'en sais rien, mais les faits sont là et les faits sont que les gens qui sont trop dans le mensonge sont ceux-là aujourd'hui qui sont en difficulté parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient plus forts que tout le monde. Thank you friends for watching. God bless you. Bye bye.